My friend Blaze Njihoya, the first thing you're going to see tonight is an interview of a man, and this is Blaze. He's a writer. He's a writer who's he's one of the top African scholars in Paris. I had appreciated Pushkin when I was a boy. When I was growing up, I read Pushkin like anybody else. But he had such a passion for it. And so he kept talking about Pushkin. We have to do something. My job is like a poet's job, or like a painter's job. My job is to be a semaphore for what's going on in our society today. See, the problem with people in the media is all about them. It's not about the planet. It's all about me. Pushkin est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en d'autres termes, pour un orthodoxe ou pour un catholique, qu'au commencement était le verbe, au commencement était le son. Les Russes considèrent Pushkin comme le créateur du verbe russe moderne. Il y a une religion civile et laïque qui est née en Russie le 29 janvier 1837. Cette religion civile et laïque s'appelle le pushkinisme. Totalement un non-sens. Mais c'est vrai qu'il est difficile de capter dans une langue comme le français, dont les règles sont fixées à peu près depuis le XIIIe siècle, les balais sonores de Pushkin, son utilisation des rimes croisées, des rimes masculines, des rimes féminines, son amour des répétitions, de la dissidence, des figures libres, des manières donc d'écrire qui se rapprochent, à mon sens, à moi, étrangement, de ce qu'on appelle l'écriture d'une partition de jazz, même de celle de la Nouvelle-Orléans. À ce moment-là, il faudrait rappeler ici que Pushkin naît récemment une icône dans la société noire américaine. Car jusqu'à la fin du XIXe siècle, à la Nouvelle-Orléans, c'est Alexandre Dumas, cette fois-ci, qui était la grande figure chez les mulâtres de la Nouvelle-Orléans. Vous, avec vous, la Nouvelle-Orléans. Et pour finir, je dirais que Pushkin, considéré par tous les spécialistes comme un grand musicien, comme un grand musicien, avait une formule. Il disait, comment j'écris? Eh bien, je réfléchis, je lève le bras et les mots naissent tout à coup. Je réfléchis, je lève le bras et les mots naissent tout à coup. I love the world. Thank you.